et la dette immense que l'Europe détient envers le reste du monde, une dette que jusqu'aujourd'hui reste impayée et dont on ne parle pas. C'est le moment d'en parler et c'est le moment de la solder. Nous sommes ici aujourd'hui pour exiger à l'Europe et aux pays du G7 l'annulation de la soi-disant dette financière des pays du Sud, mais surtout pour qu'on commence à parler de la véritable dette, pour qu'on détermine qui est réellement la personne, qui est réellement le continent qui est en dette avec le reste du monde. Nous sommes ici aujourd'hui pour exiger que cette dette soit finalement soldée. Et ce n'est pas un service que nous sommes en train de leur demander, c'est un ordre qu'on est en train de leur donner. Le progrès de l'Europe s'est fondé sur l'exploitation du reste du monde. Un progrès taché de sang et de violence. Un progrès au nom du vol et du pillage. Un progrès au nom de l'exploitation de notre terre verte. S'il y a une dette, une immense dette qui n'a jamais été payée et qui reste aujourd'hui en toute impunité, c'est la dette qui est à l'Europe envers le reste du monde et notamment envers le Sud global. C'est le moment de parler de cette dette et c'est le moment de la solder. On demande l'annulation de la dette illégitime financière des pays du Sud et de la même manière comme ils nous ont imposé la globalisation de la mort, la globalisation de la violence, nous sommes ici pour leur dire que nous sommes la globalisation de la résistance. Merci beaucoup. Julien Rivoire, porte-parole d'Attaque France. C'est pour nous important, Attaque France, bien sûr, d'être ici sur cette action devant le FMI pour réclamer l'annulation de la dette. Cette revendication, elle est au cœur du mouvement altermondialiste. Dès le début des forums sociaux mondiaux à Porto Alegre, nous disions que d'autres mondes étaient possibles et que ces autres mondes possibles nécessitaient de rompre avec la gestion coloniale de la dette des pays du Sud. C'était vrai à la naissance du mouvement altermondialiste, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Car avec cette dette, pas d'espace, pas de possibilité pour ouvrir une transition juste. L'annulation de la dette comme première étape nécessaire, mais pas suffisante. Ça a été dit précédemment, la vraie dette légitime, c'est la dette écologique des pays du Nord envers le Sud. La responsabilité des gouvernements et des multinationales du Nord dans le dérèglement climatique est aujourd'hui connue. Les drames aujourd'hui pour les populations du Sud sont déjà là et ça va aller en accélérant. Le coût des destructions liées au chaos climatique est estimé à environ 500 milliards par an à l'horizon 2030. Et que font les pays riches? Ils promettent. Depuis 2009, ils promettent de construire un fonds de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Cette promesse n'est pas tenue. Promesse renouvelée à la dernière COP à Glasgow avec comme échéance maintenant 2023. Ces promesses sont non tenues et pourtant ce sont des montants qui ne sont pas ambitieux si on les met en rapport avec les milliards mobilisés au moment des différentes crises, que ce soit la crise de 2008 pour sauver le système financier ou la dernière crise Covid pour abonder auprès des multinationales qui font des profits aujourd'hui monstrueux. Mais au-delà des montants insuffisants, il y a un autre scandale qui se cache dans ces fonds. Un scandale qui a été évoqué précédemment, mais qu'il nous faut expliquer, qui est plus compliqué. Pour le commun des mortels, et j'en faisais partie avant d'être formé au moment notamment de la COP21, un fonds d'aide, c'est des transferts financiers qui vont être notamment abondés via une fiscalité qui permet la redistribution et un principe de justice. Mais les fonds dont on parle, que ce soit le fonds lié à la COP ou le fonds du FMI annoncé dernièrement, ce ne sont pas des fonds d'aide, ce sont des fonds conditionnés et notamment dont la majeure partie est constituée de prêts. Deux tiers du fonds lié à la COP est fait par des prêts. Or, qui dit prêt
10 conditionnements et 10 logiques de rentabilité. Si ce sont des frais, alors ces fonds se feront au détriment d'infrastructures publiques non marchandes. C'est la même logique avec le fonds de 50 milliards annoncé par le FMI en mai. Un fonds dont le montant est dérisoire par rapport aux enjeux, mais qui reste dans la logique de cette institution tristement célèbre par ses plans d'ajustement structurel, des conditionnalités toujours qui ont détruit des sociétés et son tissu économique. Donc oui, nous revendiquons l'annulation de la dette des pays du Sud, c'est mettre fin à la colonisation par la dette, et ce serait un premier coup porté à la domination des pays du Nord sur le Sud global. Et oui, nous devons lutter pour une pleine reconnaissance de la dette écologique du Nord envers le Sud. Ce n'est pas seulement symbolique, même si les symboles sont importants en politique. C'est en tirer toutes les conséquences quant au fonds d'aide pour le climat. Ces financements doivent répondre aux besoins sociaux et environnementaux, non à des objectifs de rentabilité. Reconnaître la dette écologique du Nord, cela implique de rompre avec l'emprise de la finance. Et si le G7 ou les gouvernements du Nord ne savent pas comment faire pour trouver l'argent, nous pouvons lui souffler un certain nombre d'idées, de la taxe sur les transactions financières, à une taxe sur les multinationales qui multiplient les profits, à une impôt sur les grandes fortunes à destination du climat. Ce ne sont pas les moyens techniques qui manquent, c'est la volonté politique. Et cette volonté politique, aujourd'hui nous la démontrons, c'est nous qui la possédons, cette volonté politique. Un autre monde est possible et il se construit dans nos luttes. Il se construit dans notre capacité, ici, au Nord, d'être à l'écoute des mouvements du Sud. Il se construit ici, en prenant nos responsabilités et en luttant pied à pied contre les politiques néocoloniales de nos propres gouvernements. Merci.